Hey yo! On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne, que ce soit l'ancienne ou celle-ci. Il s'agit d'un swap. Je vous avais posé la question sur Instagram il y a quelques temps. Voilà, j'étais partie récupérer un swap. En fait, on était parti en shopping à Val d'Europe et j'en ai profité pour échanger le swap. Et donc, beaucoup de noms sont ressortis. Marie de la chaîne Mon Ange, non, c'est pas elle. Je la suis, je l'aime beaucoup, mais on ne communique pas. Enfin, tu vois, je sais pas si elle sait que j'existe ou quoi. Voilà. Elodie Moitou, non. Non, 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 c'est pas Elo. Et le troisième nom, c'était Piute. Et oui, c'est bien avec Piute que je fais un swap. Donc, franchement, je suis méga stressée. Pourquoi? C'est la première fois que je fais un swap avec quelqu'un. Donc, j'ai peur d'avoir fait de la merde, d'avoir fait du caca. D'ailleurs, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos pour que vous alliez voir un peu ce que moi je lui ai offert. Franchement, j'espère grave que ça va lui plaire parce que déjà, son carton, il est clairement plus gros que le mien. La meuf m'a mis un sac à part parce qu'elle a des trucs qui rentraient pas dans le carton. Guettez la taille du carton, je vais essayer de le porter. En plus, elle a fait les trucs bien, elle a tout emballé alors que moi, j'ai rien, c'est un carton Amazon de merde! Il est énorme. Oh putain de merde. Mais voilà, ça me fait peur. J'ai jamais fait de swap et tout. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, cette vidéo, je vous le dis clair. Et bref, donc on s'était mis un budget de 100 euros, mais clairement je l'ai dépassé et elle l'a dépassé aussi. Donc voilà, on s'en fout. Anyway, après c'est le truc de se faire plaisir. Moi je voulais vraiment lui faire plaisir. J'ai personnalisé au maximum sur des trucs qu'elle a pu dire dans des vlogs et tout. Donc j'espère vraiment que ça va lui plaire. D'ailleurs j'ai hâte d'aller voir sa vidéo. J'ai hâte d'avoir son retour aussi. Et elle a fait juste les trucs trop bien parce que... Donc bon, là j'ai une carte écrit wesh gros, si si, la famille. Bra, bra. Et regardez ce qu'elle a fait. Non mais ah, franchement, laisse tomber quoi. Mais moi en entertainment, je suis une grosse merde à côté de toi. La meuf m'a quand même envoyé ma lettre pour Poudlard normalement. Donc ça c'est... Voilà, Harry Potter, le placard sous l'escalier et tout. Et regardez-moi ça. Elle m'a mis un scellé, quoi. Enfin, un truc de cire. J'ai même pas envie de l'ouvrir, tellement c'est beau. Alors ça va partir en décoration dans ma maison. Hein. Ça, c'est clair et c'est net. Et ensuite, ça, c'est... Oh là là! Regardez-moi la carte qu'elle m'a mise. Bah forcément, forcément, c'est exactement chez moi. Hein. Bon, là, vous voyez pas, mais... Bah voilà, tac, tac. C'est exactement ça. Oh, j'adore. La première personne avec qui j'avais envie de swapper, c'est ce qu'elle m'avait dit aussi. Ça fait longtemps qu'elle voulait faire un swap et tout. Comment j'ai. Franchement, j'espère que j'ai pas fait de la merde. Non, mais dites-moi quand vous êtes allé voir sa vidéo, dites-moi si j'ai fait du caca ou pas parce que. Oh, j'ai peur. Je me suis un peu emballée, j'avoue, mais tonton Ali, c'est mon pote. Mais regarde, mais c'est juste trop bien fait. Je pense que ça doit être le menu. Non, mais. Ah, mais non, mais. Je kiffe, je kiffe ça, va être un trésor, je vais garder ça précieusement. Ah non, non, c'est pas un menu, c'est la vraie lettre. Ah non, mais franchement, rien que ça, tu pouvais t'arrêter là, je suis contente, meuf. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'arrêtais là, ça y est, c'est bon, le swap est fini. Merci, je rentre chez moi, je suis contente. Je suis heureuse comme tout, voilà, ça y est, c'est bon. J'ai eu... Ah non, mais non, mais non, 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 mais regardez, c'est la lettre, hein, comme ton arrière. Moulin, mais merde, non, j'adore. Déjà, j'aime bien juste ça déjà. Donc là, il va y avoir un problème. Oh là là, je suis sûre que j'ai fait du caca. Je suis sûre que j'ai fait du caca boudin. Donc oui, parce que du coup, je vais essayer de cutter le moins possible. Je veux que vous voyez mes réactions et je veux qu'elle voit mes réactions. C'est ça le but. Donc si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Hein. On regardera en plusieurs fois. Alors, elle m'a dit que ça, c'était un bonus. Donc du coup, je vais le garder pour la fin. Ça sent trop bon dans le paquet. Donc déjà, il y a de la bougie ou je ne m'y connais pas. Oh, je lui ai mis le même emballage, mais pas dans la même couleur. Lorsque je te suivais au départ, c'est le cadeau que je voulais te faire. Un disparu d'action est revenu pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh là 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 là, c'est mes viandes. Mes viandes, c'est
Alors ça, c'est ma life, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Parce qu'il y a peut-être des abonnés de Pewt qui ne me connaissent pas, qui vont arriver ici. Voilà, ça c'est hashtag vie, hashtag life. Le 2, le 2. Pour accrocher à tes vêtements. Regardez comment qu'elle a fait des beaux trucs. Non, mais franchement. Moi, j'ai pas fait des aussi beaux trucs que ça. Je me sens nulle. Je me sens nulle. Ah, mais je me sens nulle. C'est les pins. Les accrocher à mes vestes en jean. Il y a Maléfique. Et Doctor Strange, qui est mon deuxième super-héros favori. J'adore. Oh, je kiffe. Merci. Après, 3. Ah, il y en a tellement. Au bout d'un moment, je vais les ouvrir dans le désordre. Est-ce que je vais plus savoir compter, moi? 3. 3. À poil, ok, mais pas partout. Ah, oh! Alors, c'est des trucs pour enlever les poils des habits. J'adore. Ça va trop bien chez moi en plus. Je kiffe. En plus, ça tombe très bien puisque j'ai deux chattes qui ne sortent jamais à poils noirs, dont une à poils longs et une un petit peu avec des gros poils, quoi. Bref, et j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. C'était quoi cette chanson? Oh, c'est Venom en plus. Oh, j'adore. J'adore. Un bam. Moi, je joue comme dans n'importe quoi. Bien ça. Qu'est-ce que c'est? En même temps, j'aime pas le truc, connasse. Pour t'aider à te faire une beauté, j'espère que tu ne les as pas. Je pense que ce sont des pinceaux, honnêtement. Mais de toute manière, dans Rory, si je les ai, on s'en fout. Un pinceau en double, ça sert toujours. Hein, voilà, donc. Non, je les ai pas ceux-là. J'ai des Harry Potter, mais pas ceux-là. Ah non, mais j'adore. Regardez, ça c'est Poufsouffle. Poufsouffle. En plus, dans un petit pochon comme ça. Gryffondor. Pinceau estompeur. Bon, ça c'est Poudlard tout court. Pinceau comme ça, là. Un peu estompeur, bim. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ça? Ravenclaw? Ravenclaw? Serre d'aigle. Et Serpentard. Oh là là, j'adore. Ils sont trop beaux. Ils sont, en plus, ils sont qualitatifs. Hein. Ils sont lourds et tout. Je les kiffe. J'adore. Je vais dire ça tout le swap. Hein. Alors, si ça vous saoule, les gens maniérés, vous pouvez regarder ça. Parce que, oh là là. Ça t'étonne, tu t'étonnes, mais si tu veux les cacher. Bon, ça, c'est des cache-tétons, un truc comme ça. Elle aime bien les jeux de mots. Elle aime bien les jeux de mots. Je crois qu'en plus, sans me tromper, je crois que ça vient d'Action et je voulais en prendre et je les ai jamais vus. Donc des petits cache-tétons. Alors ça sort toujours ma copine. Ah oui. Ah oui. Ça, je crois que c'est une pop. Je reconnais le packaging. Il peut te retirer toute la joie dans ton corps et je pense que c'est un détraqueur. Normalement, si je dis pas de la merde, c'est ça. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas de détraqueur. Je n'ai pas de détraqueur. Il est bourré. Oh là là, le détraqueur Youth. Il va, alors lui, il va aller dans ma collection là-bas tout de suite. Guettez donc ça. Moi, je ne les déboxe pas. Donc, ils ne seront pas déboxés. Dans cette collection, vous avez tout ça, le détraqueur, il est là. Ah, j'adore. J'aime trop. 7. Have a break. Have a Kit Kat. Normalement, je crois que c'est ça. Have a break, have a Kit Kat. Yeah! Et c'est des goûts que j'ai jamais goûté. Alors ça, c'est quoi ça? Cube de noix de coco fondant et moelleux. Très bien, parfait. On adore, j'ai jamais testé. Donc on va goûter ça. Oui, avec monsieur, nous allons goûter ça. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ah ouais. Et des Kit Kat Ruby Cocoa Beans. Donc Ruby Cocoa Beans, qu'est-ce que c'est les Ruby Cocoa Beans? Je sais pas. Mais c'est des Kit Kat roses, donc on adore un Bambi bébé. Le roi de la jungle a collé. De la jungle. Roi de la jungle. Enfin, lion, roi de la jungle. C'est roi de la savane. Roi de la jungle. C'est qui, roi de la jungle? Je m'en doutais que c'était un sticker, mais alors, il est trop beau.
Et je ne vais pas le coller maintenant, ne le prends pas mal, simplement comme tu le sais peut-être, on compte acheter un appart. Donc, trop beau. Souviens-toi qui tu es. C'est Mufasa et Simba, je kiffe. Et ça, je vais les coller quand on aura notre vraie maison, notre vrai chez nous. 9. Sans aucun souci. Sauf si la taille n'est pas bonne. Sans aucun souci. Kuna Matata. Donc, ça, normalement, c'est un truc du Roi Lion. Je pense que c'est un t-shirt parce que la taille est pas bonne. Mais ne t'inquiète pas, la taille est toujours bonne. Ne t'en fais pas. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, rentrez dans un jean. Mais il est trop beau. Mais t'inquiète pas, la taille, ça va aller. Je vais juste le rentrer dans un jean. Ah, il est beau. Il est beau. Oh là 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 là, j'adore. Hakuna Matata, it means no worries for the rest of your days. Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis. Enfin, voilà quoi, la chanson. Oh là là, il est beau, hein. Eh, regardez-moi ça. La beauté du truc, toi. Et en plus, il sent bon. Il y a un truc qui sent bon là-dedans. Et le 10, format pratique pour se rafraîchir. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ça me fait mal au cœur d'arracher les emballages parce qu'il y a des autocollants et tout, mais qu'est-ce que c'est? Body spray, spray corporel, chapter 3. Berry et Amaryllis. Je ne connais absolument pas cette marque. Ça sent bon! Oh, ça sent bon, Berry et Amaryllis. Ah ouais, ah, j'adore. Alors, j'adore, je ne connais pas cette marque. Merci. Merci, ma copine. Ah, sur le 11, c'est Harley Quinn. Et c'est écrit deux versions à ne pas inverser. Moi, quand je ne sais pas ce que c'est, j'ouvre. Moi, je sais. Ah. Ah, j'adore. En plus, j'ai jamais testé ces gels douche. Donc, c'est un gel douche U sorbet fraise menthe et Tagada fraise menthe. Donc oui, deux versions, bah, effectivement, il faut pas bouffer ça, puis il faut pas se laver avec ça, ben oui. Jamais goûté ça. Alors ça, on va goûter ce soir. Fraise menthe, ça doit être bien bon. Je vais encore prendre des Kiliutes. Et j'ai jamais goûté les gels douche de chez U. Et franchement, je suis très contente. Comment on fait comme ça? Oh, déjà, ils sentent bon. Alors, les trucs à la fraise, souvent, Samy a tendance à me les piquer. Donc là, je vais l'interdire parce que... Au 12, un de mes chouchous, CeraVe. Alors, ouais, ça, j'avais vu quand j'étais aux States et j'avais pas pris. C'est quoi? Moisturizing crème. Alors, pour peau sèche à très sèche. Donc, du coup, ça sera pour la nuit. Et j'ai hâte de tester. Alors, franchement, je vous en dirai des nouvelles sur les réseaux ou dans des produits finis. Mais j'ai hâte de tester. Trop bien. Pour t'aider à les ranger. Pour m'aider à ranger quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour ranger les pinceaux? Ah non, mais là, alors là, les gars, j'adore. Regardez-moi ça. Shine bright like a diamond. Et en plus, la meuf, elle sait pas. Mais quand on va déménager, je compte que la salle de bain, il y ait du doré comme ça. Comment tu sais? Ça commence à m'inquiéter un peu. Hein? Bon. Et vous avez les perles? Oh! Vous mettez dedans, puis vous piquez des pinceaux. Oh, j'adore! Ah non, là, alors là, là, je suis amoureuse. Là, j'adore. Oh, non, mais c'est juste trop beau. Regardez-moi ça, c'est un objet. Oh non, c'est trop beau. Je suis choquée. 14. Mango-oh-oh. Mango-oh-oh. Ha. Ok. C'est un. Body yogurt. Alors, je voulais les tester depuis un moment, mais j'ai pas de body shop chez moi. Et quand je vais en shopping sur Paname, je pense pas forcément à aller dedans. Body yogurt à la mangue. J'adore cette odeur. C'est une de mes odeurs préférées. Oh! Oh my god! Oh putain! C'est ce que je peux pas vous faire sentir. Mais vraiment, je vous jure, ça sent trop bon. Oh, j'adore. En plus, c'est 100% vegan. J'adore encore plus. Je l'ai offert aussi à Hello. En finir sous la douche. Là, offert aussi à Hello. Je vois pas ce que ça peut être. Un gel douche, quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ah!
Ah, alors ouais, alors ça c'est pas mal. Quand je rentre le soir et que je veux me doucher, des fois j'ai la flemme et j'avoue, je me démaquille sous la douche. Gel démaquillant purifiant Fresh Effect Biface. En plus, j'ai jamais testé cette marque. Ah, l'eau d'Amamélis, c'est vitamine E, nettoie, adoucit, tout type de peau, pH neutre. Super génial. Et en plus, j'avais presque pu nettoyer mon visage, donc parfait, très bien. Très hâte de tester. Je te remercie grandement. Merci, c'est génial, j'adore, je kiffe. Si tu aimes le guacamole, tu aimeras ça. Je crois que c'est ce que je crois que c'est la palette Avocat Makeup Révolution. Et on s'était quand même rempli des questionnaires et puis fait une petite wishlist chacune pour pas se planter totalement. Et je l'avais mis dans ma wishlist. Donc effectivement, c'est ça. Je suis trop trop contente. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Elle est très très belle déjà. Et en fait, c'est les tons à l'intérieur quoi, qui sont totalement verts. J'ai envie de faire un ou deux swatchs quand même. Je vais faire un ou deux swatchs quand même. Je vais swatcher lui là. Il me donne envie. Je vais swatcher que. Oh, c'est crémeux. Oh. Ah ouais. Ah, j'aime bien. 17. Il est là. Le coco. Hashtag Allen. Du dentifrice. Du dentifrice. Signal intégral coco blancheur. Jamais testé. Moi, je prends les Oral-B 3D White à chaque fois. Donc, du coup, aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents. J'ai hâte de tester également. Trop bien. Et en plus, j'ai presque plus de dentifrice. Non, mais ça tombe bien. Là, je fais mes petites courses en même temps. Mon petit plein de courses. J'avais plus de bonbons, plus de nettoyants, plus de. Oh là, allez, c'est parti, mon. C'est trop bien. Trop bien. Je kiffe. Berk, Berk, Bec, Berk pour moi, je sais ce que c'est les pains à l'ail de chez Action. Parce qu'elle les avait testés à cause de moi, parce que moi c'est ma vie. Et elle avait détesté. Ouais. Je le savais que c'était ça, putain. Je le savais que c'était ça. J'adore, merci, moi ça j'en ai toujours dans mon placard, donc trop bien. 19 pour stocker, hashtag Tony Dove. Est-ce que ce serait pas une clé USB de Tony Stark? AKA Iron Man. Elle est trop belle. C'est une 64 Go en plus, donc ça déconne même pas. Et regardez comment elle est. Elle sait que mon super-héros préféré, c'est Tony. Et le vin, c'est pour ta petite bouche version kawaii. Ça doit être un rouge à lèvres, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Grapefruit Lip Balm. Moi, je kiffe les baumes à lèvres en plus, donc ça tombe très bien. Je suis genre de meuf qui en a 36 000. Genre, j'ai une assiette quelque part où il y en a plein. Oh non! Oh non, mais c'est juste trop beau! Regardez-moi la mignonneté du truc! Comment ça s'ouvre par contre? Ah! Oh, cool! Il se met comme ça. Je peux pas en mettre, j'ai déjà du gloss, mais. Trop bien! Oh, j'adore les trucs comme ça en plus. Hein. Franchement, des fois, je commande des trucs sur AliExpress, c'est que ça. Oh, je kiffe. Donc, 21 à afficher, hashtag connard de Scar. Alors, ça doit encore être un truc du rognon. C'est même une certitude certaine. À afficher, ça doit être bah, une affiche, hein, du coup. Non? Je sais pas. Peut-être un sticker sous une affiche, quelque chose comme ça. C'est bien, elle est en train de faire la décoration de mon futur appart le jour où je l'aurai. On adore. Oh, j'adore. En fait, c'est en tissu. Et c'est le Roi Lion, le film, qui était visuellement très beau. Après, je vous avais parlé de mon ressenti général, mais visuellement, j'avais beaucoup aimé. Et c'est une. Mais ça, moi, même si c'est en tissu, j'encadre. Vous voyez, c'est en tissu. J'adore. Plein de senteurs pour enlever les mauvaises. Bougie, tartelette, truc de. Je sais pas. Ah! Des jets de douche miniature. Et j'adore. Je sais pas d'où ça vient. Mais je kiffe. Y a. Attendez, je vous montre. Vous avez coconut and cream, donc noix de coco, vanille et crème glacée, citron. Raspberry, blackberry, donc fruits rouges, mangue et papaye et fraises et crème.
trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. Je n'ai plus besoin d'acheter de gel douche. En plus, ce genre de miniature, je les prends quand je voyage. Donc, je kiffe trop. En plus, c'est trop beau. Trop mignon. Pour écrire tes pensées ou décorer. Un stylo, mais alors, quoi? Ah, c'est beaucoup trop mignon. Regardez, c'est un stylo cactus. J'adore. Il écrit en noir. C'est un encre. Il écrit en noir. J'adore. 24. Elles ne sont pas au chocolat, celles-ci. Ah, ouais, c'est pas des chocogrenouilles, mais je kiffe. Je kiffe. Haribo, les bonbons comme ça. Je vais être encore plus une grosse Mélissandre. 25 pour se faire du bien. Bon, je crois que c'est le 25. Hein. Là, je ne sais plus où j'en suis en fait. J'aime beaucoup trop cette pochette. Hakuna Matata, j'aime beaucoup trop cette pochette. Oh là là! Elle m'a mis tout plein de masques. Donc ça, c'est mes masques lèvres préférés. Ceux-là, je les adore. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Et puis ça, jamais testé, c'est un face mask mini. Trop bien. La pochette, elle est trop belle. Le 26, c'est ça. Je ne sais point ce que c'est. Elle m'a mis pas d'alcool, mais je kiffe avec de l'eau. De toute façon, je bois pas d'alcool. Donc ne t'inquiète pas. Je vais garder l'étiquette. En plus, c'est Diablo dessus. Ah. J'avais dit en plus à Sam, elle a parlé de ces sirops-là, il faut qu'on teste. Et le sirop de fraise, c'est notre préféré. La Maison Guyot sirop de fraise. Et dans mes bouteilles d'eau, en fait, nous, on fait des litres. Ce qu'on appelle des litres. Donc on prend une bouteille d'eau, on met de l'eau de robinet et ça. Parce que voilà, l'eau de robinet, voilà, pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau en fait. Et ah, j'ai trop hâte de tester, ça va être trop bon, je le sens tôt. Je le sens tôt que ça va être trop bon. 27. Après les avoir utilisées, tu entendras mieux. Qu'est-ce qu'elle insinue que je suis sourde d'oreille? Ah. Des cotons-tiges. Mais en fait, le truc de trop bien, c'est que ils sont tenus par un, vous voyez, c'est un cactus au milieu. J'aime trop ce genre de truc, putain. Et moi, je suis trop cliente de ça. Regardez, c'est un cactus et tout. En plus, j'avais presque plus de coton-tige. La meuf était à la dèche, en fait, tu vois. Donc, 28. Espèce de carnivore. Alors, ça, c'est de le bouffe, ça. Ça, c'est de le bouffe. Encore de la viande séchée, mais ça c'est une marque que j'ai jamais testée. Donc là c'est la original et ensuite il y a la Farita Spice. J'adore. Je vais avoir plein de viande séchée à bouffer. J'adore. J'ai les mêmes trop mignons sur le frigo. Des aimants, des magnets. Oh mais oui. Alors c'est des aimants en cactus. Je sais pas si vous allez bien. Je vais en prendre un parce que c'est tout petit. Ah non mais c'est juste trop beau. C'est juste trop trop beau. J'adore ce genre de truc, mais je surkiffe. Je vais aller les mettre sur mon frigo dès que j'ai fini de tourner, c'est clair. 30. Pour se faire plaisir, hashtag gourmande. Ça, c'est encore de le bouffe. Oh mais oui. Des Nut Bar Reese's. Donc tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. Oh, j'aime trop ces bonbons-là, c'est des licornes. Ma mère, elle en avait acheté la dernière fois. J'avais dit, tu les as eu où? Elle m'avait dit, je les ai eu à Auchan. J'aime trop. Ah, ça, c'est mon bonbon préféré en plus. C'est Scooby-Doo. J'ai envie de les manger maintenant. Non, je peux pas les manger maintenant. C'est pas bien. 31. Duo gourmand parce que tu ramènes souvent ta fraise. Parce que moi, je parle beaucoup. Oh là là. Alors, il y a un
Strawberry The Body Shop gel douche, et ça, j'aime trop les gels douche de chez The Body Shop, surtout la gamme fraise, je la kiffe. Donc, ça va partir dans ma douche, ça. Ça va partir dans ma douche. Et ensuite, c'est un massage fondant à la fraise blanc crème. Je vais pas l'ouvrir parce que du coup, il est hermétique. J'ai hâte de tester ça. Il me tarde, les enfants. Je m'énerve toute seule dans cette vidéo, je vous le dis. Hein. Si je vous agace, je comprendrai. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire en commentaire. Pour ton mec à toi, hashtag Samy. Alors, c'est Samy avec un i. C'est pas grave. Mais en fait, moi, je m'en fous. Mais lui, quand on écrit Samy, il dit t'es Samy avec un i. À chaque fois, il fait ça. Donc. Ah! C'est des Toblerone. En plus, elle est énorme, la truc. On va grossir Mélissande. Oh là 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 là. J'adore. Aime trop. Ça sera pas pour lui, hein. Je vous le dis direct, je vais y bouffer. Hein. Rien à foutre de sa gueule. Alors là. Ensuite, 33 pour tes yeux ou autre hashtag, ils sont propres. Oui, trop bien. Donc, je me suis mis au coton démaquillant réutilisable il y a quelques mois déjà. Donc, j'utilise quasiment plus de coton sauf pour les dissolvants. Et donc là, on est sur des cotons. Et en plus, qui sont trop, 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 trop beaux. Ils sont trop beaux. J'adore, je suis trop contente. En plus, dans le petit filet et tout, franchement, trop bien. J'en ai jamais assez. On va voir ceux-là s'ils sont plus doux pour les yeux. Je suis trop contente. 34, j'espère qu'elle te plaira. Hashtag, c'est pas du chocolat. Je pense que c'est une palette, mais laquelle? Yeah! Alors, celle-là, elle était dans aucune de mes wishlists, mais j'avais envie de la tester. Non, mais oui, la meuf. Parce qu'en fait, je crois que c'est Hello qu'on a parlé. Donc, c'est une palette Make-up Révolution, la Fierce. Déjà, le packaging, il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh là là, je vais avoir des palettes à tester. Oh là 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 là. Oh là là, elle est trop belle. Trop belle. Puis du packaging avec son habit de panthère. Oh, je kiffe. 35. Se faire belle et être propre. Tout à fait, c'est la base. Hein. C'est bien d'être belle, mais vaut mieux être propre. On est d'accord. C'est quoi? Alors déjà, c'est de la marque Blanc Crème. Donc déjà, il y a un masque crème à la mangue nourrissante. Donc. Au top, très bien, j'adore, trop trop hâte de tester. En plus, la marque Blanc Crème, j'ai jamais testé, vraiment jamais. Donc j'ai trop trop hâte. Mais ça, je sais pas ce que c'est. C'est Blanc Crème aussi. C'est un savon parfumé chocolat noisette, j'adore. Oh! Oh là là! Ah ouais, t'as l'impression de te laver avec du chocolat. Oh, ça sent trop bon. Elle a l'air top, cette marque. Trop bien, ça me fait découvrir des trucs, je suis trop contente. 37 pour personnaliser tes petits ongles. Alors, moi je fais des ongles en gel, alors on va voir si c'est possible que ma prothésiste aime les mettre. Ça doit être des petits autocollants. J'adore. Je pense qu'il y a possibilité qu'elle aime les mettre en faisant catalyser un gel transparent par-dessus. J'aime beaucoup trop. Vous voyez, c'est des petits trucs. Elle peut me les mettre, c'est sûr, donc. Je vais les faire mettre là. Ceux du bas et tout. J'adore. J'aime beaucoup trop. Trop trop beau. 36. Le maître de la peur et de la panique. Ça, c'est une pop. Je suis choquée. C'est dans ma wishlist qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et j'avais dit que je voulais à tout prix Hadès en pop parce que Hercule, c'est mon dessin animé préféré, un de mes dessins animés préférés. En tout cas, il fait partie de mon top 3 Disney. Et que je voulais me faire la collection des méchants et tout. Donc, moi, j'ai déjà commandé Maléfique, que je voulais Hadès et puis Ursula, tout ça. Je m'attendais trop pas. Comment t'as su? Parce que ça, je l'avais pas dit avant. Quoique, peut-être sur Insta, je sais plus. Ah non, mais j'adore, je suis trop contente. Et dans cette collection-là, je veux eux aussi. Je les ai commandés pour Noël et j'avais commandé lui. J'espère qu'il n'y a personne qui me l'a pris. Autant pire, environ. Moi, j'adore!
Trop bien. Je vais pouvoir aller mettre sur mon meuble après. Je suis trop contente. Trop bien. 38 souvenirs d'enfance sans enrobage. Hashtag swap hello. Ce sont les stickles Chewies. Donc des bonbons tendres non enrobés. Eh ben, j'ai jamais testé. Je vais les manger ce soir. Ce soir, je vais manger les bonbons de chaque paquet. Ils vont tous être ouverts, tous les paquets. Tour, tour, tour. Je vais prendre un, deux. De tout, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, 9 bonbons de chaque paquet. 39, tu m'as dit que tu aimais les odeurs de fruits rouges. Exact, j'aime beaucoup les odeurs de fruits rouges. Oh, trop bien! Alors là, c'est une brume énergisante. Christian Lénard, j'aime beaucoup Christian Lénard pour l'eau de rose et tout. Aux extraits de fruits rouges. Ça sent très légèrement le fruit. Ça doit être trop agréable. Alors ça, pour le soir. Je suis refaite là. J'adore. Eau de parfum de grâce. Donc vraiment la ville du parfum, quoi. Aux fruits rouges. Oh putain. Ah oui. Oh là là. Ah, ça sent super bon. Je vais mettre ça. Samy va rentrer, il va manger. Va me découper, va me faire cuire. J'adore. Ça sent super bon. Je vais la foutre dans mon sac. 40 pour ne pas perdre tes papiers. De base, je suis quelqu'un de très organisé qui perd jamais ses papiers, mais si je peux avoir des trucs pour les ranger, hein, je dis jamais non. C'est un portefeuille. C'est un portefeuille Harry Potter. Il est trop beau. Je suis choquée. Je savais hein, qu'elle allait genre me faire un swap de dingue avec des trucs qui correspondaient tout, machin. Parce que. Enfin voilà, bon. Mais il est trop beau. Mais j'adore. Il est juste trop beau. En plus, c'est trop les couleurs. J'aime pas trop quand les portefeuilles sont voyants. Et en plus de ça, je peux tout. Oh, j'adore. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je le kiffe. 41. En espérant que la couleur te plaise. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un rouge à lèvres. I Heart Revolution. J'aime beaucoup. En plus, regardez, le raisin est juste trop beau. Mais le raisin, il est en forme d'écaille de dragon. Rouge. Ah, oh, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Le packaging, il est très joli. En plus, c'est du mat, je le vois là, il brille pas. Trop bien. Ensuite, 42, 42, 42. L'histoire d'une meuf enfermée dans un donjon. Réponse? C'est pareil, il était dans ma wishlist, n'écoute que moi, mais je lui en avais pas parlé. Genre là, la vidéo, elle est sortie il n'y a pas longtemps, les swaps, ils étaient finis. C'est le livre N'écoute que moi sur Réponse. Donc en fait, moi j'ai déjà sur les méchants, j'ai Ursula. Et voilà, en fait j'ai que celui-ci. Mais du coup, j'ai demandé voilà, pour Noël le reste de la collection, même sur les Twisted Tales. Et donc là, c'est le N'écoute que moi, Mergothel. Et je voulais trop le Mergothel. J'adore. 43. En fait, j'ai pas envie que ça se finisse là maintenant. Sans lui, Thor n'aurait pas eu de manche. Est-ce que c'est une blague douteuse ou pas? Sans lui, Thor n'aurait pas eu de manche. Ben oui, manche en bois et c'est Groot. Ah, il est trop beau. Je vais aller poser après. J'adore. Regardez comment c'est trop mignon. J'en pleure. 44, on frotte fort. C'est quoi, c'est une éponge? Cool. Drench Sponge, donc Cruelty Free, une éponge ultra absorbante, The Body Shop. Super. Je voulais voir ce que ça donnait par rapport aux étoiles de douche, justement, qui sont pas super écolo. Trop bien. Trop, trop bien. 45. Que si tu pouvais éviter de claquer des doigts ou alors choisis bien. Et en plus, elle a mis Thanos, donc.
Vous-même, vous savez, si vous avez vu Avenger, franchement, elle a fait des choses, mais trop dans le détail. En détail! Elle a fait des trucs en détail de dingue! Oh non! Alors là, c'est trop! C'est trop parce que là, j'avais dit, la prochaine commande AliExpress que je fais, je me la commande la chevalière de Thanos. Putain, est-ce qu'elle m'a trouvé un doigt où elle me va? Oui, je peux la mettre au pouce. Oula. Non. C'est la chevalière de... J'ai toutes les pierres, je peux faire disparaître la moitié de la planète. Oh bah non, pas moi quand même, faut bien que je finisse le swap. Trop, trop belle, je kiffe. Je vais ouvrir le bonus tout de suite, j'ai envie. Bonus pour boire et être éco. Mais c'est pas possible, meuf, tu lis dans mes pensées ou quoi? C'est une paille réutilisable. Et en fait, j'en ai acheté en silicone, donc des réutilisables, mais pour la maison. Voilà. Et c'est pas des transportables. Et genre là, c'est une transportable en fait en métal, il me semble. Je vais ouvrir, on va voir. C'est pas possible, la meuf a lu dans mes pensées. C'est un truc de malade mental en fait. Mais ouais, mais grave, c'est une transportable en fait. Donc du coup, ça fait que, voilà, je prends plus de paille quand je suis dans les fast-food. En plus, il y a le goupillon pour la nettoyer. Et vous avez la paille, quoi. Et en plus, elle est juste trop belle. Mais meuf, mais c'est pas possible. Tu lis dans mes pensées. C'est incroyable. T'as mandaté un détective privé sur le Darknet ou quoi? Et voilà, elle s'emballe comme ça. Non, mais c'est trop bien. Je devais m'en prendre une, putain de merde. Mais la meuf lit dans les pensées. En fait, t'es voyante. C'est ça, tu m'as pas dit, t'es voyante. 46, indice, 7 autocollants. C'est pas une pop de Doctor Strange, meuf, quand même. Non, parce que là. Genre, j'avais dit à Sam, en fait, que je voulais les Avengers de base, genre les plus importants. Donc, nous, on a Iron Man, on a Hulk, et en fait, il nous manque Thor. Et Captain America. Mais je lui avais dit, mais quand même, Doctor Strange, c'est mon deuxième préféré après Iron Man. Mais la meuf, elle m'a pris Doctor Strange. Je l'ai déclaré à personne à part à Samy. Ah non, mais j'adore. Alors lui, par contre, je vais le déboxer parce que mes pop Marvel, je les déboxe. Normalement, c'est des bobbleheads. Donc c'est pour ça que je les déboxe. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils soient bobbleheads. Il est trop beau, mais non, mais meuf, c'est pas possible. Moi, je te crois pas. Moi, je suis sûre que tu lis dans les pensées. Toi, t'es pas normale. T'es pas une humaine, toi. 47 pour que ça sente le foire de gaz chez toi. C'est gazo de foire. Gazo de foire. Ça, c'est une bougie. Une quoi? Bath & Body Works. T'as pris une bougie Bath &... C'est une bougie Bath & Body Works. Mais elle est malade. En fait, elle sait que c'est mes bougies préférées. Ah, c'est pas possible, la meuf lit trop dans les pensées, c'est pas possible en fait. Will you accept this rosé? Et le rosé, donc le prosecco, donc le champagne rosé, c'est ma boisson alcoolisée préférée. Ça sent trop bon. Regardez comment elle est trop belle. Choquée, la meuf, elle s'est trompée sur que dalle. Elle a visé juste de A jusqu'à Z. Non mais moi j'espère avoir visé juste de partout parce que je vais me sentir trop trop mal après ça. Je suis choquée. Ah non mais je suis trop contente. Non mais c'est un truc de malade. Je vais aller tout ranger là. Je suis trop trop contente. Bah merci. Franchement j'espère que mon swap il va te plaire autant que le tien m'a plu. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo swap. J'espère que ça vous aura plu. Vous attendez pas à en voir beaucoup sur ma chaîne parce que voilà, c'est pas un truc que je ferai souvent dans le sens où j'aime bien, mais ça met trop de pression et tout. Et voilà, moi je suis perfectionniste, j'aime bien faire des trucs personnalisés et tout. Donc voilà. Allez voir sa vidéo ou alors si jamais vous venez de chez elle. Bah bienvenue, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, dites-moi en commentaire
Et puis, en fait, je sais même pas quoi dire parce que c'est pas juste elle a acheté des trucs, voilà, elle a acheté des trucs et puis voilà. C'est genre, c'est personnalisé en fait. C'est vraiment des trucs. Genre, des fois, j'ai dû partager en story Insta comme ça, vite fait, en mettant ouais, c'est beau et la meuf, elle m'a acheté le truc, quoi. Donc, trop bien. Je suis trop contente. En tout cas, ça me plaît, mais de malade mental. Donc, je sais même pas quoi dire. Donc, merci. Là, je vais aller lui envoyer un message. Et puis j'ai trop hâte de voir ta vidéo à toi, quoi. Mais vraiment. Bon, bah sur ce, faut bien que la vidéo elle se finisse. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Donc voilà, une bonne soirée. Et puis, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vais vous dire ciao!